Chers fidèles, comme d'habitude, je vais faire maintenant un court sermon parce qu'il y a du retard à cause des difficultés que j'ai eues. Die Barrikoven, ich soll es so tun, um Zeit, dus niet te veel tijd in het te nemen. Dat is een Franse preek voor de mis en een Nederlandse achter de mis. Dus ik zal het kort houden. Chers fidèles, donc je dis un petit sermon avant la messe et en néerlandais après la messe. C'est comme ça que personne ne doit attendre pendant la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, en soi, ce n'est pas la plus grande fête de l'année, c'est Pâques, selon la solennité. Mais quand même, pour nous, Noël est très important, puisque Noël, ça veut dire Dieu qui est venu parmi nous, et qui apparaît à tout homme de bonne volonté. Et c'est dont nous avons beaucoup besoin actuellement. Ce monde périt parce que justement, Dieu qui est parmi nous, comme disait Saint Jean le Baptiste, qu'on a vu dans les évangiles de quelques dimanches derniers, il est parmi nous, celui que vous ne connaissez pas. Ce monde a besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus pour sortir des péchés, des problèmes, de nos misères, hein, et pour atteindre le but, la destinée, pourquoi nous sommes faits, n'est-ce pas? Nous sommes faits. Cette fête de Noël donne la grâce liturgique de ce qu'elle exprime. Dieu est apparu parmi nous. Il y a 2000 ans qu'il est venu parmi nous, après des milliers d'années que le monde était tombé dans le péché et avait vécu son péché, avec toutes les conséquences que ce péché a donné, cette misère. Dieu est venu finalement, n'est-ce pas, au bon moment, parce que nous n'étions pas prêts. Hein. Donc quand nous étions prêts, il est venu. Et il veut venir pour tout homme, de tout temps et tout lieu, de bonne volonté, donc aussi pour nous. Et toute la question, c'est que justement, cette liturgie de Noël donne cette grâce de Dieu qui vient parmi nous. Que Dieu qui vient parmi nous pour nous sauver, pour nouer une amitié très profonde et très intense et éternelle. L'amitié qui est l'amitié avec Dieu, entre la créature et Dieu, qui commence par la grâce sanctifiante et qui va finir par la gloire. Et ça, c'est la fête de Noël, chers fidèles. La fête de Noël, c'est la fête de Dieu qui organise son plan de rédemption et qui a décidé de toute éternité, dans la Sainte Trinité, d'envoyer la deuxième personne en tant qu'homme parmi nous, en tant qu'homme pour le mieux communiquer avec nous, pour être à notre niveau et pour nous donner l'exemple de la vie qu'il faut mener et pour prendre la croix sur soi, le prix de la rédemption, le prix de la peine des péchés, tout péché, de tout homme, n'est-ce pas, celui qui veut se convertir en tout cas. Alors, cette fête de Noël, je viens de dire, est d'une certaine façon, pour nous maintenant, très importante. Peut-être encore plus importante que Pâques, d'une certaine façon, parce que à quoi sert Pâques, n'est-ce pas? À quoi sert tous ces sacrements? À quoi sert l'Église? À quoi sert la prédication de l'Évangile? À quoi sert les messes, les sacrements valides, n'est-ce pas? Si personne ne veut se convertir? D'abord, il faut la conversion. Et ensuite, cette conversion va être développée à Pâques,
Les catéchumènes vont être baptisés, etc., après la Pentecôte. Pour nous, c'est la confirmation. Mais avant tout, c'est pas avant tout ça, il faut la conversion. Avant, il faut la conversion, avant que les gens croient, n'est-ce pas? Pour que les gens croient, c'est déjà un acte de conversion, parce qu'il faut vouloir croire. On peut refuser de croire. Et alors, voilà. Et c'est ça la fête de Noël. Nous avons besoin de Noël, nous avons besoin de cette grâce, plus que tout, finalement, parce que ce monde périt, parce qu'il a tourné le dos à Jésus, n'est-ce pas? Et alors, vous voyez ce qui se passe avec ce monde. Voilà. Donc, c'est vrai que de plus qu'il y a des crises, le bon Dieu permet le mal à plus grand bien, de plus qu'aussi les gens vont peut-être réfléchir par cette crise actuelle. Les gens vont peut-être sentir qu'ils ont besoin d'autre chose, que ce monde ne se satisfait pas convenablement, que tous ces loisirs sont éphémères. Et maintenant, à cause du confinement, etc., les gens ont moins de possibilités de jouir. Hein, et oui. On a constaté que pendant les guerres, les églises étaient pleines. L'église était pleine pendant la guerre. Et voilà, donc ça c'est peut-être une tendance que les personnes qui subissent les maux de ce temps vont peut-être réfléchir et vont peut-être se adresser à Dieu, se tourner vers Dieu pour demander des grâces, la solution pour leurs problèmes. Parce que Dieu, il est la solution de tout, n'est-ce pas, de tous les problèmes. Alors, ce petit enfant, n'est-ce pas, qui est né à Bethléem, il vient de Marie. Et ce petit enfant que nous voyons dans la crèche, je suppose que vous avez fait une crèche chez vous, n'est-ce pas? Ce petit enfant qui est représenté, c'est effectivement, il faut ne pas oublier que, effectivement, derrière cet enfant, peut-être, enfin, c'est une belle histoire, n'est-ce pas, toute cette histoire de Bethléem. Mais il faut jamais oublier que c'est Dieu, n'est-ce pas, que c'est vraiment Dieu, la deuxième personne qui s'est fait homme. Alors, c'est un grand mystère qu'un Dieu qui est immense, qui est infini, qui est tout-puissant, qui est infiniment sage, qui est saint, qui a toutes les perfections, il se manifeste comme un tout petit bébé, n'est-ce pas? On aurait pensé que Dieu se manifeste dans un ouragan, comme sur le mont Sinaï, par un tonnerre et des foudres, et avec une voix qui tonnerre du ciel. Par exemple, lors du baptême de Jésus-Christ, où une voix du ciel qui descendait, qu'on entendait tout le monde, qu'on entendait tout le monde, et que donc qui était reconnu comme quelque chose de fort, n'est-ce pas, qui vient d'en haut. Bien, cette rédemption se fait de toute autre façon. Alors, ce Dieu tout-puissant, avec toutes ses perfections, n'est-ce pas, il est là, tout entier. Il est tout entier. On ne peut pas dire que l'enfant Jésus n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Et quand il est Dieu, il est entièrement Dieu, entièrement. Alors, comment est-ce possible, n'est-ce pas? C'est vraiment très intéressant de faire cette méditation, de voir un tout petit bébé, n'est-ce pas, qui vient de naître d'une jeune fille, la Sainte Vierge qui était très jeune, n'est-ce pas? Que ce petit enfant, c'est Dieu, ça, c'est une personne divine. Alors, si on commence à méditer, on va avoir la grâce et on va commencer à mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde, la bonté de Dieu qui se penche vers la misère de l'homme. Et c'est ça que nous allons découvrir, que Dieu, d'une manière fantastique, appropriait nos misères. Il veut venir parmi nous. La première chose qu'il veut faire, c'est en même temps gagner notre confiance, parce qu'un petit bébé n'est pas menaçant, et en même temps donner des leçons déjà, enfin, dans le bon sens, des leçons, des exemples de vertu pour sortir du péché. Et la pauvreté dans laquelle il est né, l'humilité d'un Dieu qui descend du ciel, qui devient homme, cette patience dans les épreuves, parce que directement il y a des épreuves, il va être menacé de mort, il va partir avec sa mère et son père en Égypte, son père nourricier. Ce petit enfant est Dieu. Il n'est pas né comme dans les palais comme les enfants des rois, mais lui, enfant de Dieu, n'est-ce pas?
il est venu par amour. Donc, il donne directement. Il ne vient pas pour soi-même, n'est-ce pas, pour, il vient pour, n'est-ce pas, même mourir, donner toute sa vie, n'est-ce pas, pour les autres. Il ne vient pas pour profiter, n'est-ce pas, mais pour mériter. Voilà. Alors, c'est une façon merveilleuse, n'est-ce pas, la façon dont un Dieu, n'est-ce pas, cherche l'amour de ses créatures, cherche leur repentance, leur vertu, pour les sauver entièrement. Alors, chers fidèles, quand vous voyez cet enfant, ce petit enfant de la crèche, méditez sur le fait qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Et ensuite, que c'est pour chacun de nous, pour vous, qu'il est né dans cette pauvre étable, dans un tel état de dénuement et d'abaissement. C'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour vous. Dites, c'est pour moi qu'il est venu, pour me sauver et pour nous mériter le ciel. Et pourtant, combien de chrétiens ressemblent aux habitants de Bethléem qui ne veulent ni le connaître ni l'adorer. Mais alors, nous, qu'est-ce qu'on allons faire, n'est-ce pas? On vient de chanter « Venite adoremus et procedamus ante Deum ». Venons le remercier, l'adorer, n'est-ce pas, qui est descendu du ciel pour nous. Le consoler par notre ferveur, par notre bonne volonté, de le servir, de l'aimer désormais de tout notre cœur. Voilà, donc ouvrons grand notre cœur pour cette grâce de conversion, d'acceptation de notre Jésus-Christ, pour justement nous convertir là où nous ne sommes pas encore canonisables, nous ne sommes pas encore saints, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons encore des choses à expier ici sur terre, sinon dans le purgatoire, c'est mieux de l'expier par ici, des choses à apprendre. Chers fidèles, c'est ça la grande grâce de Bethléem, c'est la grande grâce de Noël, la grande grâce de la crèche. C'est un Dieu, n'est-ce pas, qui nous demande de l'accepter. Et essayons de le voir, n'est-ce pas, tous les jours dans notre vie. Acceptons-le dans notre vie, mais de chaque jour, pas seulement à Noël, et puis on va l'oublier. Mais qu'il soit vraiment plus présent. Il est déjà présent dans votre vie parce que vous êtes en état de grâce, vous êtes chrétien, vous priez, vous pensez à Dieu tous les jours. Mais disons que cette présence de Dieu devrait devenir plus intense. Et c'est vrai, nous souffrons plus que nous avons des problèmes à surmonter, la crise de l'Église, la crise partout, n'est-ce pas, dans le monde. Mais justement, dans la souffrance, Dieu est plus présent. Il est plus proche de nous, puisqu'il y a plus de souffrance, plus de problèmes. Alors, acceptons cette présence de Dieu, pas seulement maintenant, mais de jour en jour, acceptons de vivre avec lui. Plutôt chaque instant, n'est-ce pas, d'être avec lui et d'autant plus mériter le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.